aujourd'hui 23 avril 2024 depuis la ville touristique de Goma. Nous vous disons merci de votre fidélité. Bonjour et bienvenue Monsieur Georges, notre invité du jour. Oui, bonjour Monsieur David, bonjour tous les Congolais, bonjour tous les Kinois et tous les Louchois, les Bukaviens, les Gomatraciens, et les Bibolais, les Béniciens, les Ituriens, tout le monde, je dis bonjour. Même ces Congolais de la diaspora, je vous dis aussi bonjour. Et plus particulièrement, mes frères de Chabunda. Je te vois, monsieur de Chabunda, mon correspondant de Chabunda, je te vois. Vous allez encore me suivre, je te vois. Paul et Nabarabara, Paul et Sana, Paul et Sana, 240 $ pour le voyage de Chabunda Bukavu. Aina Musa, Paul. Alakini solution iko na Afrika, iko munjia na yeye nataka Afrika kule. Déjà avant d'entrer dans le vif, comme vous évoquez la question des voies et communications en République démocratique du Congo, peut-on en parler aujourd'hui que Tshisekedi a un peu touché lors de son premier mandat? En fait, oui, Tshisekedi a fait c'est quand même déjà un travail déjà louable. Si vous prenez le trousseau, la RN numéro 1, route nationale numéro 1, qui va de l'océan, passer par Kinshasa, Bandundu, Kikwit, va jusqu'à Chikapa, Kananga, Bujimbaye. Et Bujimbaye progresse vers Mwenedoute, elle pourra arriver jusqu'à Bukavu. Il en a déjà fait au moins plus de 2000 km. Si c'est trop cela. Quand vous prenez Kinshasa, Bandundu, jusqu'au moins à Chikapa, et aujourd'hui on est en train d'attaquer Chikapa Kananga, et bientôt aussi Kananga Mbujimaï, bon, Mwenedit aussi. On a commencé de trop. Et voilà, c'est un grand travail. Alors que pendant 60 ans, il y en a des gens qui ont régné pendant des années, n'ont même pas fait 500 km. Imaginez. Vous faites toujours référence. Non, vous savez, cette république n'appartient pas seulement à Tshisekedi. Il a fallu que Tshisekedi trouve déjà ce qu'on appelle des jalons, des fondations. Mais malheureusement, il a trouvé tout à zéro. Même dans l'armée, même dans l'enseignement, même partout. Mais et finalement, les prédécesseurs ont fait quoi? Alors, si le plan infrastructure. Ni Tété, ces renégats, ces bandits, ces sauvages du M23. La route de Bounagana Goma serait déjà au rendez-vous. Nous prenons aussi le trousseau Boutembo, disons Kassindi, Beni Boutembo. C'est aussi à pied d'œuvre pour le moment. Kisangani Boutembo. Kisangani Beni, on a déjà commencé, peut-être. On n'a pas encore de bonnes précisions, mais déjà, c'est déjà dans les collimateurs de la construction. Et il a fallu que Tshisekedi vienne pour qu'on recommence, donc pour qu'on amorce maintenant les routes. Et à bientôt avec l'avènement de la première ministre. Madame Souminois. Souminois, Judith, que je salue à passant. Elle a d'ailleurs déjà commencé à sensibiliser déjà que avec les 145 territoires, maintenant on va commencer à relier les 145 territoires par des routes. Et c'est ça sa mission. Vous voyez combien louable, c'est ça aussi Tshisekedi. C'est parler, est-ce que vous estimez qu'elle sera capable avec... Les gens n'ont pas cru au projet 145 territoires. Mais aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Échoué. Maintenant, aujourd'hui, c'est une réalité. Hier, on a remis 30 ouvrages à la province du Sud Kivu. Vous n'avez pas suivi ça à la radio aussi, à la télévision? Seulement dans la province du Sud Kivu, on a remis 30 ouvrages sur 250. 30 ont déjà remis. D'autres sont encore des chantiers et d'autres sont dans les finissages. Au moment venu, quand on va les finir, on va remettre aussi les restes. Entrons dans le vif, aujourd'hui, il y a élection pour savoir qui sera le président de l'Assemblée nationale. Ma première question revient de savoir. Pourquoi est-ce que les jeunes députés ne se sont pas donné le courage, les voix aussi, d'essayer à se manifester? Il n'y a que trois personnes, à savoir Rosso, Bahati et Vital. Pourquoi pas d'autres? Ce ne sont pas des élections, parce que les élections viendront après. C'est ce qu'on appelle des primaires. Les primaires, surtout. Ce sont les primaires.
Et pourquoi on a procédé par les primaires? Ça c'est la grande question. Pourquoi on a procédé par les primaires? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On sait donc, à l'interne même de l'union sacrée. C'est-à-dire, à l'union sacrée, les gens se sont donné plus le privilège de se positionner en poste. Et alors, comme le créateur de l'union sacrée, c'est un démocrate, il a dit, bon, nous aimons tout le monde. Passons par les élections, passons par les primaires, et comme ça, on aura les candidats communs de l'union sacrée, on sait des choix des animateurs de l'Assemblée nationale. Et moi, j'ai dit, pour ces trois candidats, moi, j'ai dit que le meilleur gagne. Non. Que le meilleur gagne. Là, vous esquivez déjà ma deuxième question, monsieur. Non. Là, vous voulez esquiver déjà. Non. Que le meilleur gagne, quoi. Effectivement. Que le meilleur gagne. Pourquoi le président de la République lui-même n'a pas voulu choisir? On les traiterait encore des dictateurs. Est-ce qu'il est dictateur? Et les autres seraient frustrés. Ils auraient des remous. Mais comme c'est le primaire qui va tracer, qui va encore jeter l'opprobre à qui? Moi, je pense que c'est la meilleure manière de procéder. Certaines personnes estiment aujourd'hui que le président de la République veut à tout prix écarter Kamel. Et c'est vrai. Certains remèrent. Je ne pense pas qu'on écarte quiconque ou quelqu'un d'autre. Peut-être c'est parce que d'autres ne savent même pas que ils sont aussi révolus ou expirés des fonctions. Est-ce que les gens ne se connaissent même pas? Si vous trouvez qu'il y a d'autres équipes qui se positionnent, c'est parce que peut-être que votre entourage ne vous consomme pas bien. Et quand vous trouvez qu'il y a vraiment des gens, pourquoi ne pas céder aussi aux autres? Si réellement Kamel se trouve la personne peut-être la mieux placée pour que l'Assemblée ait un perchoir qui est vraiment démocratique, je pense qu'il allait convaincre ses challengers que c'est moi qui suis normalement la personne la plus consommée de cette histoire. Ne pouvez-vous pas me laisser la chose? Et quand... De la manière qu'il n'a pas alors été capable de convaincre l'entourage. C'est pourquoi on a procédé par quoi? Par les primaires. Mais on apprendra aussi de lui que Kamel, bon, je ne suis pas en train de sacraliser les gens. Je ne suis pas en train de dénigrer le travail des autres. Moins encore, être contre quiconque. Mais je suis en train de répéter les faits politiques et surtout répéter ce que les autres ont déjà dit sur micro plus peut-être même plus populaire que celui-ci. Moi je l'ai appris que Kamel serait une personne est subordonné aux ordres du chef. Donc quelqu'un qui n'est pas obéissant à certaines pratiques au sein de là, au sein de l'union sacrée, à l'interne, entre autres. Dernièrement, quand on a convoqué le conseil des ministres, il a boudé le conseil des ministres. Qu'est-ce qu'il y a derrière lui? Pas plus que ça, quand on a demandé aux gens d'assumer les affaires courantes, lui a rejeté cette histoire. Il a préféré aller à l'Assemblée. On dit, bon, comme il est déjà député, qu'il reste à l'Assemblée. Mais aussi, vous n'êtes pas sans oublier qu'il n'y a même pas 2 mois, il a créé une histoire qui allait diviser, qui allait déchirer la République, qu'on appelle le PSR. Vous vous souvenez de ça? Ah, quand les gens ne croyaient pas que normalement, moi, ce que je conseillerais à mon frère Kamel, thank you, monsieur. Et que un conseil simple,
sur cette terre, il n'y a pas de plus intelligent. Mais il y a des intelligents. C'est-à-dire, quand vous vous dites que moi je suis intelligent, ou vous dites que moi je connais, alors que vous ne connaissez pas, vous vous trompez, c'est vous qui avez endossé. Vous voyez, nous sommes environ 30-50 personnes dans cette salle. Est-ce que réellement quelqu'un peut se prévoir que seulement moi je suis intelligent, plus que tous ces gens? L'intelligence se prouve, et surtout par des actes qui vont dans le positif. C'est ça aussi l'intelligence. Mais quand vous dites intelligent, tout en versant dans des malversations, surtout, quand vous versez dans ce qu'on appelle les antivaleurs, vous laissez la réflexion à l'endurage. Et pourquoi alors, si tel est le cas, monsieur Georges, oui, pourquoi tout ce vieux papa, laisse-moi utiliser ce terme-là, ne veulent pas lâcher à l'égard de Lukwebo, qui c'est à l'égard de Lukwebo, Mboso, Kamere, il y en a beaucoup là-bas, pourquoi ils ne veulent pas laisser Lutundula, Bemba, pourquoi ils c'est pourquoi moi je vous disais. Il devrait se récarter. C'est pourquoi je vous disais que le meilleur gagne. Mais en politique, il y a aussi un principe qui dit ceci. L'objectif de la politique ou les partis politiques, c'est conquérir le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible. C'est de leur raison. Ils sont justifiés par ce principe politique. Le conserver le plus longtemps possible. Mais est-ce qu'il faut conserver cette politique par toujours les mêmes individus? C'est ça maintenant la question. Est-ce qu'il ne peut y avoir une alternance à l'interne? Quand moi je prends en Tanzanie, il y a ce qu'on appelle le CCM, Chama Cha Mapinduzi, en Tanzanie. Depuis que la Tanzanie a eu l'indépendance, c'est Chama Cha Mapinduzi qui détient toujours le pouvoir. Mais avec un système démocratique, avec alternance à l'interne. Je pouvais aussi conseiller ces vieux loups. Bahati. Il y a déjà Serge Bahati. Pourquoi ne pas laisser à Serge aussi? Non, et est-ce que ce sont seulement leurs enfants qui sont mobilisés? Si pas Serge. Je sais que chez Bahati, il y a aussi des têtes. Je vois par exemple Patrick Mounyomo. N'est-ce pas qu'il est aussi de cette famille-là? Je vois aussi Kamere, je vois Billy Kambale. Billy, c'est un garçon trop jeune. Mouze, Kamere, où m'aise ka papa? Kula kumazo, on a ikala pasi moya. Nani yako tu? Mboso, depuis Mobutu, tu es toujours au perchoir. Tu es même déjà abattu par l'âge. Laissez aux autres, laissez aux Mouzito et aux autres. Bon, laissez aux autres, il y en a plusieurs jeunes parmi vous. N'est-ce pas? On savait tous, les personnes le disaient comme les personnes les confirment. Alors, comme ce sont les trois loups, les vieux loups, qui se disputent les perchoirs de l'Assemblée, bon, quel est le meilleur gars? Mais nous, on a toujours ceci. Entre les démons, on ne peut que prendre celui qu'on appelle le moindre mal. Entre les gros mots comme ça, entre les gros mots, des grosses maladies, on ne peut que préférer la moindre maladie. Pour tout simplement dire, entre ces trois, il y en a qui ne sont plus consommables. Compte tenu de leur histoire. 100 jours. Kamere, ah ouais, c'est ma qui tout. Tu n'as pas encore convaincu les gens. Avec les 100 jours, bon, on n'a pas oublié. Si tel est le cas, si vraiment vous revenez à ce sujet, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en train de détruire et de détourner l'argent. Il y a des gens, on est en train de l'entendre partout sur la toile. Il y a des personnes qui prennent l'argent, les derniers publics, comme il avait le cas de Nicolas Kazadi,
et jusqu'à présent il marche, tout va bien. Il n'est pas seul. Mais vous savez, on n'arrive pas à mettre la vous savez, vous savez, vous savez, il n'est pas seul. Je pourrais même allonger la liste. Mais ce qu'a fait Kazadi, c'est une honte de la République. Il ne doit pas croire qu'il sera toujours un électron libre. Et il sera reconduit. Bon, ça relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Je ne vois pas un Kazadi qu'on peut reconduire avec toutes ces bavures. Je ne le vois pas. Si cela ne pouvait relever que de moi, j'allais déjà l'éliminer avant que même les choses n'aillent sur papier. Alors on sera en train de finir, c'est même par là peut-être qu'on va prendre fin de cette émission, Monsieur Georges, avant d'en parler de la situation sécuritaire à l'est du pays où nous sommes à l'instant. Quelles sont vos attentes face au gouvernement souminois? D'abord, le défi est là. C'est éradiqué à d'une 100%. Manière générale. Le défi d'abord est là. C'est la guerre du M23 avec l'histoire des ADF à Beni. Ça, c'est le défi qui attend le gouvernement qui va bientôt être installé. Mais qu'est-ce que j'attends de ce gouvernement? Je ne peux qu'attendre que ce qu'on appelle l'instauration de la paix la plus durable. Je suivais Julien Paluku avant-hier, qui disait que depuis que nous sommes dans ce cycle infernal de l'insécurité, il y a déjà 27 accords qui ont déjà été signés. À commencer par, je ne sais pas, l'Emera, l'Osaka, partout, Nairobi, quoi. Plus 27 accords. Mais parmi les 27 accords, la paix n'est jamais revenue. Pourquoi maintenant en faire les 28e? C'est ça aussi ma question. Pourquoi maintenant faire un 28e accord qui nous amènera où? C'est-à-dire, c'est le problème de ce pays, ce ne sont pas les accords. Le problème est ailleurs. C'est la sérieuxité et surtout la prise de conscience des Congolais. Nous devons prendre conscience. Nous devons d'abord comprendre que le pays est convoité par toutes les puissances du monde. Et si nous ne voulons pas maintenant protéger notre propre patrie, il y aura toujours des personnes qui viendront avec des guerres et les accords seront toujours signés. Vous savez, moi je suis l'homme le plus... je suis parmi les hommes qui sont aujourd'hui les plus écoutés au monde à cause de cette émission, Monsieur David. Je ne peux que vous remercier pour ça. Merci. Moi, j'ai évoqué le point Ouazalendo avec justesse. C'est certainement le premier à faire la propagande de Ouazalendo. C'est moi. Je ne suis pas en train de me vanter. C'est moi. Et vous savez, la première personne qui a pris conscience en RDC, c'est le Ouazalendo. Lui, il a trouvé que cette patrie, si je ne peux pas me battre, même sa formation, la patrie, sera toujours attaquée et attaquée de toutes les maladies du monde. Il a pris les armes. Il a pris l'arme dans sa main. Aujourd'hui, il est allé. Semble prendre d'une manière. Semble c'est. Disons, Ampongo, c'est un inconscient. Moi, je l'appelle un inconscient. On a tout suivi. Lui, il a clôturé le sujet et que la République ne devrait pas armer cette terre. Et moi, je vais vous répéter. Ce n'est pas parce que Ampongo a dit que les Ouazalendo maintenant vont abandonner les armes. Pourquoi Ampongo n'est pas capable d'aller à Bunagana, d'aller à Kiwanja, dire à Makenga et ses hommes avec Enanga, dire Nanga avec Makenga? Est-ce que vous n'êtes pas aussi... Ne pouvez-vous pas vraiment vous écarter de cette république et construire la paix? Pourquoi il n'est pas capable de faire ça si réellement il est congolais averti? C'est parce que... La prise de conscience, c'est comme je l'ai dit, c'est pour lui dire, mais l'autre là, le prélat catholique, il est inconscient. Mais nous qui avons déjà pris conscience, nous savons là où nous allons mener ce combat. Et comme le chef d'État l'avait dit, ou bien la paix totale, ou bien la guerre totale. Entre les deux, viendra la paix, ou alors la sécurité la plus totale. À l'est du pays.
Merci, monsieur Georges, pour aujourd'hui. C'est un plaisir d'avoir à discuter encore de ces actualités au cœur de la RDC au jour d'aujourd'hui. Quel est meilleur gagne ces derniers mois? Nous retenons à la fin de cette En tout cas, quel est meilleur gagne? Bahati, Kamere, Mbosso. Vous êtes. Vous avez pas qu'à. Mais quel est le meilleur gagne parmi vous? Un mot pour les FRDC. Au FRDC. Qui est un mot qualifié aujourd'hui de KO. Au FRDC. Moi, je vous dis grand merci. Et je vous dis la République vous sera très reconnaissante jusqu'à l'éternité. Vous laissez vos vies, vous succombez, vous abandonnez vos vies sur les lignes de front. Et c'est l'héroïsme et le patriotisme. Mais cette terre que, pour laquelle vous êtes en train de perdre votre vie, elle sera très très reconnaissante. Merci. Oazalendo, mes amis, watoto wa nyumbani. Kazi ni ngumu lakini mshahara iko. Mshahara mtayapata. Kabla sio kwa wakongomani lakini ni kwa babu. Et je vous dis merci. Nous sommes en contact au plus 243 9 79 27 31 68. 68. Alors à la fin de cette émission, nous vous disons merci d'avoir été nombreux à nous suivre. C'était Georges et Alain Biro, notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation et qu'à la prochaine pour d'autres actualités. C'est moi qui vous remercie.